Excusez-moi là. En y exemploit-il le roi. Nous prenons cet acteur des militants et sympathisants de l'IFDG ami pour montrer aux personnes qui pensent que ce pays les appartient à ce qu'on appelle l'amour. L'amour là, on ne l'achète pas. Voilà. Vous avez vu, comme disait un monsieur, j'étais son nom sur ma page, qui disait qu'on a payé les chômeurs. Et les chômeurs, les fonctionnaires demandaient d'emploi pour aller à Kibumbuya lors de son retour par rapport à l'investiture du président Kagame. Voilà. Et de Aina, Mourime Natalanou dit, pour aller recevoir quelqu'un qui est simplement allé assister à l'investiture d'un président qui était en train de prester pour son quatrième mandat ou cinquième mandat. On doit la créer troisième mandat de nous. Et nous, on a été insultés, frappés, Kakuma Befama à cause du troisième mandat. Donc aujourd'hui, nous avons vu aussi M. Paul Biya du Cameroun qui va se présenter pour un huitième mandat. Et il 82, c'est Maron Sandy était 82, parce que là, c'est en 82, il était chef du gouvernement. Je ne sais pas ce qui s'est passé automatiquement. Il est devenu président. Non, je l'ai bloqué, monsieur. Bah, ne l'écoutez pas, je l'ai bloqué. Ça, c'est les partisans de, voilà, de Doumbouya. C'est des gens qui, jusque-là, n'ont pas compris comment les choses se passent, quoi. Donc, Paul Biya, qui va se prendre pour un huitième mandat. Vous l'avez vu en France tout récemment, lorsqu'il était sous l'invitation du président Macron par rapport aux festivités du 80e anniversaire de la participation de l'Afrique à la Première et Seconde Guerre mondiale. Et dans ce même lieu était présent l'homme qu'on appelle Idi Amin. Idi Amin, voilà, après la mort d'Ahmadou Ahidjo, merci beaucoup mon frère. Quand Idi Amin est arrivé, il est allé saluer ce monsieur qui doit se présenter pour un huitième mandat. Un huitième mandat. Est-ce vrai? Un huitième mandat. Donc aujourd'hui, M. Biya, je pense que M. Biya a entre 88 et 90 ans, ou bien plus même. En tout cas, aujourd'hui, lui, il est plébiscité par son pays. Donc, nous prenons ces exemples. Nous avons vu Paul Biya dans les rues de la France, à Paris, du moins. Moi, le Tefolain, qu'il faut applaudir, Biya. Les gens applaudissent, donc on applaudit. Vous avez vu encore avant-hier au Burkina, combien de militaires tués par les terroristes? Vous avez vu encore au Mali. Donc, on ne peut pas continuer à supporter des régimes militaires. C'est pas parce qu'on ne les aime pas. Hein. C'est parce que c'est pas la légalité. Ce n'est pas du tout la légalité. Regardez la ville de Conakry aujourd'hui. Les gens ont voulu. Même ce matin, il y a eu une réunion au ministère des Travaux publics. Dans les conditions normales, qu'est-ce que nous devons faire? C'est demander le départ de ce petit, le ministre des Travaux publics. Parce que lui-même en personne, il ne dit pas à la population que ce n'est pas lui qui gère les différents projets de construction dans Conakry. Et c'est vrai, il y a une société qu'on appelle l'Azerout. Vous savez que l'Azerout a remplacé quoi? À remplacer le maintien des routes, l'entretien routier, voilà. L'entretien routier. L'entretien routier était une entreprise, un département lié aux travaux publics. Ils ont pris aujourd'hui ça, ils ont transformé en Azerout. Et vous savez, curieusement, qui gère l'Azerout? C'est quelqu'un qui a passé plus de combien d'années aux États-Unis, ici, là. Il était aux États-Unis, ici. On dit non, même Karamansa, le colon cousin, il est tombé en Guinée. Il a créé sa petite société. Où les caniveaux étaient là aujourd'hui, les caniveaux, parce que c'est la terre. C'est la terre. Tellement qu'ils n'ont pas d'argument et qu'on a cette facile-là, c'est tous les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont sous l'eau. Est-ce que le Sénégal est sous l'eau? Est-ce que la Côte d'Ivoire est sous l'eau? Merci beaucoup, frère Touré. Le fonds d'entretien routier a été remplacé par l'Azerout. Dans les conditions normales aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire? Hein? Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait demander des comptes.
Regardez qu'on a créé aujourd'hui une première dans ce pays. Qu'on a créé est-ce... Quand est-ce que je parlais de ça? J'ai parlé de sous l'eau, en une eau et dans l'eau. Non, moi j'ai dit sous l'eau. Nous avons vu le directeur de fonds d'entretien routier ici, là, qui a été condamné, après qui a été blanchi et puis qui a été relâché. Tout y a un faux. Parce que parlons de... C'est-à-dire, on vous donne tous ces exemples. C'est pour rafraîchir la mémoire des personnes qui veulent nous dire carrément qu'au de l'accorder un mandat. On va accorder un mandat à quelqu'un. Si vous regardez, ils sont allés faire un tournoi à Cancan. C'est un exemple, hein? Un tournoi à Cancan. Ils vont à Cancan, un tournoi à combien de millions de francs guinéens? Au même moment, les gens sont en train de couler à Conakry. Hein? Les gens sont en train de couler à Conakry. Un tournoi à Cancan, le même jour, il a plu. Avec l'origine de l'Auro. Et puis, ce qui me fait mal, j'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue de Cancan, entre Kibou de Yankan, qui sortent d'ici là. Tous les jeunes-là ont fait la campagne avec nous. À Kélinté, il y a un individu là-bas, là, il me connaît très bien. Il m'a fait la bouton, après ça, la bouton fermée là. Tellement qu'il y a Konobra. On dirait, il a fait Farana, il a fait Génie Rural. Il faut le demander. Ngaï, au temps d'Alpha Condé, il m'a appelé ici de le mettre en contact avec tel. Ngaolé, Kankanya fait. Oh. Non. Que Némalon. Comment on peut... Doumbouya même en personne doit se méfier de ces personnes comme ça. Et quand on met Doumbouya à Mademeni, à Malon, Kafanou, on met le Kankabara. C'est ça le problème. Sinon, on n'est pas mensé à solonté. Les escrocs des autres partis politiques, des escrocs de mon parti, nous n'avons pas la partie, Urbana Mandel, Nembayro, parce que Nafi l'a dit. Il y a des gens qui n'ont plus bénéficié de projet là. Ils se sont retournés contre nous. Il y a deux banques là, il y a été téléphoné là. Benito et Kalon, Andel BR, Pézé Lop, mais il m'a qualifié. Vraiment, Doumbé est une déception. Il y a maintenant qu'on n'aura pas de dossier dit. Il n'y a pas d'inquiété, il n'y a pas de contrat de son telle personne ou qui n'a pas de contrat. Et puis lui, il veut que, à la fin de Naluma, il y a la Keleke quoi. Ou le loyal là. Il est Naluma, il y a la Keleke. Allez, même voilà, projet qu'il a déposé pour un contrat. Donc, on m'a marché même qu'il est Nalumaba, il est comme il est Facebook là. Qu'on on a fait l'indessa béton du Lima, il y a lui qui a quitté. Il va faire que bon, il n'y a intérêt mouillot. Il suffit de les poser la question, il dit qu'elle est barre. Donc, il a fait ni là qu'elle est ok, ni là ton nom mouillot. Parce que au du côté, ni un monstre en euro. Il y a maintenant un connoisseur, il y a un béal qui est clair dans la tête. Il a tiré à clocher à Paraf, mais il a nié là. C'est comme ça. Adas, c'est le connu. Il est gonflé, il a nié là. Donc, Koumfa, je voudrais vous dire dans ce petit direct, nous, on attend simplement, parce que c'est le cas où il est là. C'est le cas où il est là. Il m'a épuisé tout à l'heure. Il y a le cas de le brafa, de le massé fous là. Mais est-ce que vous avez vu jusqu'à nous sommes tranquilles? Donc, je voulais saluer dans sa con là. Dans sa con là, parce que Albert Carlon la Guinée, c'est la première fois qu'on voit le président d'une institution Kakonola à Baragnola, c'est-à-dire il est mis bas la bureau qu'il est Kakonola là. Première fois en Guinée. Première fois, hein, en Guinée. C'est-à-dire le président d'une institution Demso met Baraï la bureau qu'on a, il connaît là. Wow, on l'a fait qu'au cas constitution d'Amma. Mais tellement qu'à la Sénat, à la bras les réminents, parce que constitution, on l'a le boulot, à bras cours sous becquet, pour avoir des audiences, pour passer une caméra qui me dit à tout récemment, pour expliquer ça à certaines personnes, qu'ils vous montrent la vidéo, explication au Fodia, à Momentry, qu'ils vous montrent ça, à Bangokumabeol, ils ne vont jamais vous montrer partout, par où ils passent, où ils rentrent par rapport à des débats. Alto, il est là. Le même dansa aujourd'hui, dansa Konlala, doit aller, c'est pas en Haute-Guinée, quoi, quand on va forer là. Mais ne a fait quand même forbé. Alors la Guinée m'a aidé. Ne le cas doit ouke, car faut qu'oui. Bé dit la Kenema, pépé pa dit bé que miroir du, là, dans ce pays-là. Et c'est vrai. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire à un vieux qu'on appelle
Kramo solo. Et quand l'on kent, bana la kouma kela. Alma la kouma n'y a eu au fait que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Le vieux qu'on appelle Kramo solo là. Kramo solo là. Celui qu'on appelle Kramo solo là. Il y a toutes ces anciennes vidéos à quand même faire endulement au prof Alpha Condé. Moi, je connais très bien ce vieux Kabra Longkala, Nipébélon. Parce que si nous voulons définir ce qu'il fera, le vieux là était un arnaqueur. Il bat un arnaqueur numéro un, Adolé Odi. Mais ce n'est pas le vieux qui m'intéresse. Vieux la Koumakan. Vieux Koumakan. Aya Fele, toutes les autres ethnies. Toutes les autres ethnies se branchent contre les Malinkés. Voilà royal. Et eux là, ils ont quelque chose à gagner dedans. Parce qu'elle avait quand même qu'été. Elle avait qu'à Kélé. Sosol Babla Maninkal contre là. C'est-à-dire les Soussous se branchent contre les Malinkés. Les peuples font des vidéos contre les Malinkés. Et puis les forestiers contre les Malinkés. Quand tout ceci là se branche contre les Malinkés, est-ce qu'est-ce qu'ils vont dire à nous autres? Bon, vous avez vu. Donc, Aibra est une dumbuya à moment de Aibra Fula lui, Aibra Sosoulier, Aibra Moulika, même Foka, Aibra Yika. Donc, Nama Oulika en l'eau, Nama Oulika Kete, Aibra, elle a fait occasion de Nina Blodi pour nous tromper. Ça ne peut pas marcher. C'est que le monsieur l'a dit, il a parfaitement raison. Kramo Solomon a quand même fait. Mais il y a qu'on a quand même fait. Mais vous avez vu devant qui il a dit? C'est devant ses disciples. Allez, Nele, Mbaken na classe, Mbaken Kourdla. Qui va dire là-bas que c'est faux? A te kuro. A te kuna école de l'homme à Fokono, mais c'est ce que vous avez dit que c'est faux. Oui, donc, regardez dans la salle où il disait que non, les bras d'Oumbé a choisi. Regardez combien de personnes applaudissaient. Regardez combien de personnes moussou. Allez, moussou, n'a l'homme à Mendoul Sindri. Ou d'Oulma Tefo. On dirait que ou l'a instinct qu'a faux, que l'on canna Tefo. Le gars là veut semer les troubles entre les ethnies dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent clairement, c'est net et clair. On veut que toutes les autres ethnies se battent contre les Malinkés, contre le Mandin, et qu'ils viennent derrière nous dire, ils viennent derrière nous dire que non, vous avez vu, si vous ne faites pas attention, voilà, on doit signer contre les Benitola, les Damaroula, doit accepter d'être derrière Mali Doumbouya, sinon, si Mali Doumbouya rend le pouvoir, c'est fini pour les Mandins, ils vont se venger, ça ne peut pas, mais ça ne passera pas. Donc, je demande aux uns et aux autres de ne pas considérer ce que le gars a dit. Parce qu'il est dans sa vérité. Hein. C'est comme ça, lui, il voit les choses. Il y a les comment va-t-il. C'est comme ça, lui, voit les choses. C'est comme ça, lui, comprend les choses. Et nous, nous disons non. Ne tombons pas dans ces pièges. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à se rajouter aux autres et tenir la contre Mamadi seul. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes prêts à s'ajouter à toutes les autres et tenir contre Mamadi. Ce n'est pas contre le mandat. Parce qu'il entre, ce qui se passe comme ça, c'est une manière de vous tout, c'est s'aimer la pagaille. Sinon, quand vous regardez Kramo Solo là, Béa la Koumakante là aujourd'hui, quand Kramo Solo a dit ceci, voilà, Kramo Solo a dit comme ça. Kramo Solo là, c'est dans laquelle, quelqu'un qui prédit, oui, il faut qu'on y a fini la barre à qu'il faut envoyer 8 millions. Lui, c'est un érudit. Demandez à tout le monde à Kankan, même que Kankan mange. Je m'explique par rapport au temps de ma classe de terminale. Ça, c'était entre les 96. Entrer Menke, à être à Frakounia, pour visiter l'érudit, on dit, il faut payer combien? Il faut payer 200 000. Pour visiter l'érudit, quoi, il y a la baraque, 6 000. Il y a même des secrétaires Traro. Albra érudit, qu'au secrétaire Yaro, qu'au ticket Yaro. Et puis, les tickets là sont de différentes couleurs. Quand on m'a incalqué, ou le truc là. Qu'on a vécu la baraque du malon, qu'il ticket bleu le tala, qu'au ticket bleu, qu'au 3 millions. Qu'il va vécu la baraque l'indulo, qu'il ticket menetra, qu'il a voulu tiens. Ça c'est Alphanayama, Ayahang, il a quelle influence. Parce que lui, voilà, lui, il ne voit que son petit esprit, ton petit espace à Tiniro, mais à Kaoubansanlo. Il sait très bien, Alcalon, comme moi, vous savez très bien comme moi, que là où il est, il pense que ceux qui sont devant lui, qui sont acquis à sa cause, représentent toute la Guinée. Parce que nous, nous parlons de la Guinée. Nous parlons de la Guinée, c'est ce qui avait trompé Dadis.
Lorsque la Sekouna disait à Dadis, jusqu'à aller dire, j'ai la Dadis. Et c'est vrai. Génadalis, les gens ont crié. Hein? Génadalis, les gens ont crié. Jusqu'à aller dire, je me rappelle, hein? Adalis, la Guinée Seigneur de Birin, Naraira Mangé, a fait une candidate. Dadis était assis, en train de sourire, quand il ricanait même. Qui était à côté d'Adalis, il y avait Sekouba qui était assis. Vous vous rappelez? Au micro, les gens t'appellent. Tout le monde était content. Le monsieur, là, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, qu'il peut ôter. Hein? Il peut ôter la tenue pour être candidat. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez très bien la suite. Il y a eu le coup d'État. Après le coup d'État, Mirina Fala, Unité Nationale, comment vas-tu? Yali, comment vas-tu? Je ne suis pas, Yali, je ne suis pas ton petit. Yeah. Je ne suis pas ton petit, mais bon, Malati. Voilà, donc attention, c'est toi qui dois faire attention. Donc, Kramo Solo, tu vois comme ça, nous ne devons pas prendre ces propos en considération. Adrien, allez Kankoufo. Ça, c'est son problème. Laissons ça de côté. C'est nous qui devons être très intelligents, extrêmement réfléchis. Vous comprenez? Parce que ce que lui, il veut là, c'est ce qui ne va pas se faire. Il veut braquer les ethnies contre les autres. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de blogueurs qui disent ça. Moi, ou un Soso et Ben, Soso et Ragné et qui? Moi, ou un Mani, soyez foulés, les blogs, ça a commencé. C'est vrai, ça a commencé. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Lui, c'est un érudit, c'est un vendu. Dès que nous, ne vous en faites pas. Je voulais terminer ce petit direct pour vous dire encore une fois. Sore Wantoso. Nous connaissons ceux qui aiment Doumbouya. Sore Wantoso. Il paraît que tu as fait une vidéo où tu as cité mon nom, Wantos de Paris. Est-ce que tu comprends? Mais, dans la vidéo, tu t'es accentué sur Damaro, je sais pas, et Asende. Je veux te dire quelque chose, Wantoso. Allez-y voir toutes mes vidéos. Parce que tu n'es pas important. Parce que Nafigi n'ira. Moi, j'aime les personnes qui choisissent les partis. Moi, je les respecte. Depuis le départ. Parce que nous savons ce qui supporte Doumbouya depuis le départ. Nous le connaissons depuis le départ. Ceux qui supportent le RPG aussi. Mais le RPG, c'est fait depuis. IFDG, moi je respecte la conviction de chacun. Mais plein à dénerrer, il t'a nafiginira. Nafiginira. Et bah, moi je ne suis pas contre. Et t'as nous t'en. Au mouna, je crie. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu un Guinéen. Hein, un Guinéen, en a lavabo, à marama dénerrer. Là où il se lave là, une douche, à vidéo là-bas, douche cuit. On a douche ton comme quelque chose de moderne, depuis Mbarimap. Ça dit, il dort douche cuit, maradé. Il s'avoue, ça y est, ça. Il dort. Au barato, moi, tu dans, hein, et jalouse. Mais, tu t'attaques aux jeunes soussous, ah, les soussous, là, sont jaloux contre toi. Maradé, douche cuit. Napo, rapide. On peut comprendre, Rapisinara, on peut comprendre. Merci pour les autres frères. Rapisinara, on peut comprendre. Piscine, on peut comprendre. Hein? Piscine, mais il y a une piscine. Il n'y a pas de biscuit. Et puis, il y a Guima. Il y a la chambre, il y a la chambre.
et à direct qui et à chambre naiki et à chambre naiki et à douche naiki chambre douche mais rien à appartement qui est et rougné poutou deux chambres sur et ta chambre avec ton âge là et avec ton âge là avec tout ton âge là plus de 60 ans et ta chambre et à chambre naiki douche naiki et ta na c'est flamé hein. Et puis nickel dans Tori. Vraiment, n'y rien de la vidéo à sa maman. Tellement, c'est pour te dire, quand quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé la vidéo, je lui ai dit de ne pas m'envoyer des bêtises comme ça. Il a du scoui. Et puis nickel dans Tori. Il n'a coca. Il coca bidon dans Niki. Vous avez vu ce coca? Ouais, coca n'a raté n'a mis fait. Coca. Il y a des gens à Conakry. Il y a des gens à Conakry. Et l'homme a un burin baloudé. Ils sont à Conakry. Hein. Iko kana hami manaki. Ina kontenu kolo. Iko kana. Iko kana. Ina kontenu. Tu connais le contenu? Koka na iki. Et puis, Iko koka. Ina koka original. Un exemple. C'est-à-dire, je me demande si. Je me demande si tu as un esprit. Moi, je ne me. Je n'en ai pas la nara. Il a vu la nara. Il a vu la samba. Hein? Et n'a ravi de la sambama. C'est ce que j'ai dit à la personne. Ah non, excuse-moi. J'ai dit, tu m'envoies la vidéo de d'un individu qui tape sa boîte poitrine qui est dans un lavabo. Là où on lave les enfants. Parce que il n'a mes toilettes. Ou en torse, il n'a mes toilettes en Europe. Il n'a guiné jeune des toilettes en Europe. Parce que il n'a tout. Il n'a comme ça. Hey, plus de tout, il en a plus une tour, comme salon, et en a chambre, plus il y en a de petites douces, en a qui, en ma langue, il y a jeune de la Guinée, jeune de la douce, rumbonabé. Il dort dans la lavabo qui, il s'en y de n'y a qui, oh voilà, ton n'a douce qui, n'a ma rafé, ils sont jaloux de moi, et n'a dit jalousie, n'a n'aima, il mouya guima. Lavabo, dip, n'a douce mato, une douce de, Mara un maître nara. Et t'as n'en c'est falamant tambe. Et bah, Oudi premier, en mangedi nara. Quand mangedi, tu sais pourquoi Oudi est sorti, n'en a falabé, comme tu as la mémoire courte. Et bah, na Oudi to, pourquoi Oudi est sorti, c'est parce que ce que nous avons dit, l'a beaucoup touché, on l'a remis à sa place. Nous, on a remis Oudi à sa place. Oudi Ahmed, et nous dirons, mais il n'y a pas de radin important de l'ancien la comté. Parce que, nous avons fait des préférés, nous avons fait des tendres, gouverneur. Qu'est-ce que tu en dis? Quand tu sors pour le supporter, nous avons fait un état benito, d'amaronga, il est d'abord pas d'aho. Oudi premier que tu vas comme ça là. Ce n'est pas nous qui témoignons aujourd'hui. Il a fait travailler une jeune fille à son Oudi TV. Où est Oudi TV aujourd'hui? Oudi TV est tombé. C'est un. Hein, aujourd'hui, là où les gens gagnent l'argent. Tigi, et sœur Nahana, et Tigi Nahana, et Ambaloroy. Et Brinsama Ambalonoroy. Ils vont se Ambalo pour commander. Ça, sinon, Oudi là. Oudi que tu défends comme ça. Il a passé toute sa vie à commander. Hein? Il a passé toute sa vie, à commander. Abra patron a des fora. Quand il est venu en Guinée, il a créé une télé ou du TV. En arrière, il a amené sa réfi. Maintenant, là où il a pris comme restaurant, là, bar, prostitué dans Guinée, est-ce qu'il arrive à payer là-bas? Non, c'est vrai. Oudi, c'est qui? Oudi, c'est zéro. Amangedi, nena, qui s'en est. Oudi est un faux type. C'est un faux type. Oudi nous moutons que les mal. Nous faisons de la politique. Oudi est un arnaqueur. C'est tout. Nous, on sait derrière les personnes que Oudi marchait. Nous, on a tellement des amis. Mais dans le témoignage de la Babé. Derrière les personnes que Oudi nous n'ira pas n'ira fort. Ara ravi ce trop. Mara la joie, comment vas-tu? Les gens nous ont dit ça ici. Je vais te dire quelque chose sur les Wantos. Mbara Falaobé. C'est-à-dire, vos quelques jeunes là, trois, quatre jeunes sous là, n'est-ce que relique à la fin à qui?
Ça ne marche pas. Parce que moi, là où je vis aux États-Unis, je vis avec des jeunes sous-sous. Ils m'ont normal. Demandez à tout le monde, le patron de tous les ressortissants de la basse-côte qui était à Philadelphie, il est décédé, c'est un beau à moi. Kumbasa. Billy Mahori, les réalisations de Kumbasa. Sosé Nanaki. Sosé Nanaki Kumbasa, paix à son âme. Moi, à l'enterrement, il fallait voir le monde à son enterrement. Kumbasa. Ça, c'est normal. Voilà Al-Khali Souma. Al-Khali Souma qui est ici, à New Brunswick. Sigayarto. Hein? Al-Khali Souma. C'est un jeune soussou, hein. Un monsieur soussou, il faut voir ce qu'il a fait à New Brunswick. Ils sont. C'est l'affaire de Facebook, là. On s'est connu tout ça, on s'est appelé. Tout. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils s'appellent. Ils disent, ah. Et on a béni tout à la béni. Il a tant perdu né dans. Aujourd'hui, il m'a adoré avant, non? Sosodi Iki. Sosodi n'est pas perdu naki. Otanara, Itan, Ahmed de Paris. Ou un petit groupe de 4-5 personnes. Sinon, aujourd'hui, les sous sont en avance. Il y a des jeunes sous aujourd'hui. N'est en bas d'Angui, Devasiga. Tu n'as rien compris. Aujourd'hui, Moutanama, moi je suis témoin de plus de 10 jeunes sous-sous. Ce n'est pas des vieux, hein. J'ai dit 10 jeunes sous-sous aujourd'hui qui ont des investissements aux États-Unis. 10 Nahankolo. C'est que moi, ce jour, Mbarasigaye Rogni, et mon allocation de Naira Banginankoui. Ils m'ont invité, je suis allé les saluer. Ici, dans le New Jersey et dans le dans la région de Pennsylvanie, Philadelphie, et puis dans la région de Delaware. Je suis allé chez Camara. Camara, il est de Kindia ici. Il est à Delaware. Non, ma numéro sodé, il y a un relais. Il y a un arabe en Rinankui. C'est-à-dire là où il a acheté. Il n'est pas loin de c'est le président Biden. Amakui, attendant, il y a Kira Masembe. Il y a Kira Ginansigamaha Biden. Monsieur Camara, Mohamed Camara, il est ici, Anabé. Il a fait seulement 13 ans aux États-Unis. Il faut voir ce qu'il a réalisé. Donc, Nawuleba Nyon Solo. Il a fallu faire Mout, ou on t'en souci, on l'a envoyé. Ça, c'est terminé. Mouba Nakolon. Nous travaillons avec les vrais soussous, ceux qui aiment la raison de soussous. Mon est en colon. Otanga de Roménie, Oramere Madarou. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as vu qu'on a crié. Même temps de l'ancien Lacomte, le président l'ancien Lacomte, paix à son âme, le champion de champions, l'honorable président l'ancien Lacomte, et il est étonné dans l'anda qui fait qu'on a crié. Et puis, ceux qui nous aident beaucoup, autant on a un groupe, autant on nous bande de complexés, parce que vous êtes décomplexés. On a de haut, Mali Doumbian, on a un ascenseur. Regardez les vues qui sont avec vos sensons. Allez-y voir vos sensons. Moi, je suis témoin de toute la gouvernance de l'Ansana Conté. Je suis de la première promotion vétérinaire de l'Ansana Conté, Moutan. Donc, Moutan, personne ne viendra baver si c'est un sous-sou. Eh, Moubara Bilinkolo. Eh, nous connaissons tout le système. Nana, actuellement, il a sauvé, voilà. Ni ma touma n'a yélé. Ni ma touma n'a yélé. J'ai des grands là-bas, n'a bédena n'a d'amou, n'a alabena luna. Et né luna, on a né, ça va, calcul, qu'on est luna. N'allez plus détailler les choses. L'ancien a compté. Le président l'ancien a compté. On aura héritage dans ça à Yékouiki. L'ancien a compté a dit en bon sous-sous. Voilà pourquoi d'abord les gens l'aimaient. Il aimait beaucoup sa langue. Moi, je suis chez moi. Hein. Il a dit ça à des blancs au téléphone. Il dit, je suis chez moi. Vous voulez me saboter. Et qui sabotait l'ancien a compté? C'était l'ancien a compté. Non. L'ancien a compté, sabotez-moi. Toi, tu ne sais pas autant. Parce que Sosofé Nara, l'ancien a compté, c'est le patriarche des sous-sous. C'est le patriarche des sous-sous. Des patriarches sous-sous. L'ancien a compté. A héritage n'en s'en fait yékouiki. Et puis, vous supportez ça. Toi, tu peux voir un l'ancien a compté accepter l'installation des Français en Guinée. Itan nomanat. Itan ou dit premier à nous, Ahmed de Paris. L'ancien a compté son vivant. Un Français venu s'installer en Guinée. Oh non, ça c'est pas l'ancien a compté. Ça c'est pas l'ancien a compté qui va marcher sur son corps. Ça c'est pas l'ancien a compté.
Au moins, c'est pas notre frère qui vient d'être assassiné et abattu. Ils l'ont tué qu'on appelle Omar Silafoni Kemange. Ou bien Baskot Kamunaki. Et puis, ce qui me fait mal, ou il est fait migra, ou il est fait migra, n'en ou pas en fara. Ou t'en n'en sais vraiment moutambe. C'est à cause d'un tamou calculement. Mangez mes quiconque a des filles. Quiconque a des filles. D'ailleurs, je vous laisse votre groupe là. C'est à cause de Wantos là, je reprends vos noms aujourd'hui. N'a Wantos dans vos naki. Nous sommes pour ce pays-là. Vous ne savez pas pourquoi nous nous battons pour ce pays-là. C'est parce que nous avons pris ces exemples-là. Les exemples-là, la protection du pays, l'amour pour le pays-là, dans les mains du président Lansana Conté, dans les mains de Dadis, parce que Lansana Conté a sorti Nanaki. Dadis est venu recruter Lansana Conté à Tani. C'est Lansana Conté qui a fait les Sekouba Konate. Lansana Conté a dit sorti et bien Sende. Nous sommes au Philadelphie, je vais faire jouer un morceau des officiers supérieurs. N'a lancé en compte à héritage green. Et n'a lancé à rire, manaki. Et puis, il t'en se soudit. Il t'en a lancé val de moutambe. Il t'en a lancé val de moutambe. Il faut écouter notre tata Diana, qui est au Canada ici. Il faut l'écouter. Il faut écouter au moins ça. N'a soso, n'a pas agnon. Parce que ce qu'on appelle Soussou là, c'est nombreux comme ça qui ont investi, qui ont l'argent sur les kits. Et puis c'est des gens, je connais des Soussou dont le pouvoir ne les intéresse pas. Hein. Des Soussou riches, n'ont pas pouvoir les rares maman et n'ont pas investissement. Je ne veux pas salir des tontons ici aux États-Unis. Il y a un tonton qui a une compagnie de frigo. Il est là. Je peux donner. Mon numéro, c'est il n'a pas de Wantos, il n'a pas de Wantos. Pendant la gouvernance de Lansana Conté, il m'a déplacé. Il a aidé plutôt Lansana Conté. Et 30 nanas, lui n'est pas parti travailler, mais il a envoyé des projets pour la Guinée. Voilà ce qu'on appelle les gens qui aiment ce pays-là. Mais vous, on en sera bafé. Il y a même une manifestation. Il faut qu'on ramène à ce rire. Et puis, nous, à un groupe Nantori, même pour aller faire un tournoi là, ou un tournoi, on en sera bafé. Faut budget voté. Voilà un budget. Moi, ma budget, normalement, on veut faire. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne dépensez pas vous-même? Vous ne pouvez pas faire de vous-même. Faut budget n'en a voté. Si vous aimez ce pays-là, pourquoi vous ne cotisez pas pour faire des. Hein? Moi, Benito, je ne tomberai jamais dans ce discours de ce sou. Nabaragnon, ça ne marche pas. On a dans Naki. Le tournoi qui s'est passé à Cancan, combien? 120 millions pour un petit tournoi. Tous les Voriens sont déplacés pour aller là-bas. Le tournoi qui se prépare à l'abbé. 1 milliard et quelques pour un tournoi. Vous avez fait un budget. Au coula. Vous faites un budget. Vous faites le budget. Et puis vous avez. Hein? Cousine, comment vas-tu? Maria, mon nom, comment vas-tu? Moi, je respecte les partis politiques qui organisent des manifestations, des cérémonies, sans demander de l'argent à l'autorité. Je suis d'accord. Mais autant Moudoma, il t'a ou du premier. Actuellement là, je peux nourrir ou du premier, parce que Kobri Maïra. Il m'a colon. Tu ne sais pas qu'il souffre. Parce que je vais vous dire, vous savez qui gagne de l'argent? Hein? Vous savez qui gagne de l'argent? Ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, ce sont les vrais parents de Doumbouya.
Autant les restes là, les restants là, vous ne faites qu'accompagner. Nous, aujourd'hui, nous sommes d'accord aujourd'hui, il va nous payer plus cher que vous. Il y a 5 personnes aujourd'hui, et nous sommes avec toi. Il va vous mettre tous à la touche. Il y a Damaro, il y a moi, il y a Mamoudou, il y a Matou, il y a Maman Ramatoulaye Colomb, il y a l'eau. On est d'accord avec c'est terminé. C'est terminé. Et puis, Omouyagima, nous on se bat. C'est nous qui avons choisi un sous comme candidat. Moutan Sosui, Moussosui, Moutan Afala, Moutan Combine avant Soto, RPG Kui. En nous, nous supportons Kassori. Nous supportons Kassori. Excusez-moi, je vais aider un peu l'autre là. Comme je ne l'ai pas répondu, Kassori Sosui Nara. Kassori est un sous-sou. Baskot Kanara. C'est nous qui l'avons choisi. Au moins, au lieu de venir nous aider, même si vous ne pouvez pas fermer, ou des balans, ou des doumoutiers, au moins, on en a la barre. Moi, c'est parce que je me suis déplacé. Je ne suis pas allé saluer la sœur de l'Indialo. D'aller me déplacer pour aller saluer la sœur de l'Indialo. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être, de recevoir l'appel de maman. J'ai dit l'honneur de recevoir l'appel aujourd'hui sur le territoire canadien. C'est une première. Ça, c'est Dieu qui était sur le territoire canadien. L'appel de Hadja Almad Dalendjalo qui m'a appelé Hadja. Hadja Almad Dalendjalo m'a appelé pour me féliciter. Je me suis excusé auprès d'elle du fait que je n'ai pas pu me déplacer. Et bah, politique pourquoi? Avant, le débat était entre l'IFDG et le RPG. Le débat était là-bas. Mais maintenant, là, c'est Hadja Halimat Dalendjalo, la maman nationale, elle-même en personne, il m'a appelé, neveu, comment vas-tu? Il a demandé après ma fille, il m'a salué, il m'a encouragé. C'est ça aussi la vie politique. Forcez Mara, nous on force pas les choses. Nous sommes avec les bonnes personnes. Ce sont ces personnes-là qui pensent à nous, ils prennent les téléphones, ils nous appellent, ils disent comment vas-tu? Et puis prendre tes nouvelles. C'est pas, elle avait peur de mon numéro. C'est aujourd'hui quand elle a dicté le mot, j'ai compris qu'elle a peur de mon numéro. Elle a pris mon numéro avec mon frère. Mon frère m'a dit il va t'appeler. Il m'a appelé. Et là, je le dis, merci Hadja Almad. Et j'ai promis à Hadja, soit en partance pour Washington DC. Je vais me déplacer. Elle dit qu'elle est là dans les 2 jours là. Voilà. Je vais me déplacer pour aller. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est l'histoire d'un. Un jour là, j'ai dit Hadja m'a appelé, j'étais sur le territoire canadien. Ça, c'est l'histoire. Vous comprenez? Donc, portez-vous très bien, on se reprend, Inch'Allah. Voilà, il y a l'ouverture scolaire. Malheureusement, j'ai été appelé par la direction régionale de l'éducation de mon enfant. Il demande de se présenter. Voilà, donc, je suis obligé de retourner pour aller, parce que je vais reprogrammer mon voyage, Inch'Allah. Voilà, mais je me suis limité dans ma petite famille, ma jolie famille. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais même pas dire la ville. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit la ville. Donc, portez-vous bien. Vous connaissez la ville. Hein? On dit, comment on appelle la... Eh, mon amour, comment vas-tu, Fatmata Maka? Hi, Fibouy. Voilà. Donc, excusez-moi. Je ne vais pas aller loin. Parce que je vais me limiter là-bas. Voilà. Je vais faire au moins demain, Inch'Allah. Demain matin, bonheur. Je vais rentrer, Inch'Allah. Mon grand à moi... Mon grand Walter Souma, Ntara Fayana dit. Voilà, donc. Ok, Tata Fatou. Je peux dire la ville, hein, c'est Saint-Jean sur Richelieu. Voilà, c'est un nom, un nom comme ça, Saint-Jean. Saint-Jean. Je suis passé par la colonne, la frontière qu'on appelle la colonne. Voilà, la colle, voilà. La colle par là. Voilà, c'est par là, la colle par là. C'est pas là la colle.
C'est pas l'autre français, Eddie Seven. Eddie Seven, là. Voilà, non, non. Parce que la famille s'est trouvée par la colle. Parce qu'il y a trois la colle. C'est le deuxième la colle que j'ai pris pour arriver à Saint-Jean, le seul. Donc, c'est ça. Et, bon, ça. Je vais vous appeler tata. Ne vous en faites pas parce que je sais le retour dans. Voilà. Dans. Voilà, la colle, voilà. C'est la colle exactement. C'est la colle ici. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Voilà. N'écoutez pas les gens là. Hein. N'écoutez pas les gens là. N'écoutez pas les gens là. Restons unis, concentrés sur l'essentiel. Voilà. Donc, merci à mon grand Abdoulaye Ricardo Kakabari. Voilà. Merci à ma cousine chérie, la plus gentille des gentilles, Mariam Diallo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mohamed Diané et Emmanuel Demouri. Voilà. Bana Bana. Ça, c'est les grands. Donc, Kadi Diop, merci. Et Tata Fatou, mes grands respects. Voilà. Nesta Souma. Klinsmann, comment vas-tu, Souma? On a dit, monsieur Soumaou. Voilà. Donc, portez-vous très bien. S'il vous plaît. Voilà. N'écoutez pas les gens-là. Nere Soussoufi Tungoufi et Nere Magahora. Les vrais Soussoufi, ils sont là-bas. Nenana, maintenant, qui les grands Walter Souma. Nenana, qui les Max. Les Max. Voilà. Les Max-là. Ego, les Conti. Voilà. Ils sont, ceux Nanaki. C'est eux qu'on appelle les vrais Soussou. Voilà. Vrais Soussou-là, c'est eux-là. Netangolimane, Erabi, les Sara. Et Oli, il a facturé ça. Ce n'est pas les vendus comme ça. Là. Voilà. Il y a ton grand Walter Souvenir, Oli Mané, et Kobi Sotole, ma jumelle, et Sagbe, né entreprise dans Neira, et Oli, et Kobi Sotole. Né Mouna, Nyamakala, la Bafi, né Rambi, bobo, non, 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 non. Il travaille. Voilà. Avant, né Mouné dans Siportema, Mouka Nana, né dans Rambira. Ce n'est pas les perdus comme ça, là, non. Faut demander à l'IFDG combien ils ont payé pour aller supporter, voir ces loups. $0. La salle était pleine. Il y avait plus de 4000, 5000, même, il n'y avait même pas de place. Ce qui me fait mal, c'est que ceux qui sont dehors là n'ont pas pu rentrer. Si ceux qui étaient dehors là rentraient là, ça allait être plus de 10 000 personnes pour voir M. Elassé Dalen Diallo, pour l'écouter, pour écouter Elassé Dalen Diallo. Et non, ma amour. C'est pas d'abord d'arimaradi. D'abord d'arimara. On s'arrive fin, c'est un rimato. Namaradi. Voilà. Merci Kadidjo. Merci Ibrahim Abouba. Bonjour frère. Merci. Portez-vous bien. On se reprend après. Merci. Oui. Merci Mohamed Conté. Respect. Bingyanima Conté. Tu es le champion, mon frère.